Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Come and join us. This is an emergency. They have Margot, and who knows what they're doing to her. We must put aside all the dirty tricks we've been happy to play to each other. And work together. Je ne connaissais pas, moi, Guy Madding du tout. Mais je suis assez lié avec Sylvie Prat, qui dirige la programmation de Beaubourg. Et Guy recherchait un acteur de mon style, bon genre, je sais pas. Et elle m'a appelé pour me demander si je voulais rencontrer Guy Madding. Je lui ai dit, c'est qui ? Elle m'a expliqué un peu son travail. Et surtout, après, elle m'a aussi dit que... Charles Trampling, Amir Alcazar, Mathieu Demy, Mathieu Almaric, Udo Kier, tout ça, etc., avaient accepté, donc j'étais intéressé. Et j'ai rencontré Guy Madding dans un café à Beaubourg à 15h. Et j'ai dit, j'avais dit à Sylvie que je ne parlais pas anglais. Il m'a dit, mais c'est ce qu'il veut, quelqu'un qui ne parle pas bien, pas du tout anglais. Tu verras bien. Donc je suis arrivé à Guy Madding, un homme charmant, un peu nounours comme ça, un peu sympathique, habité, folie intérieure comme ça. J'étais assez bien. Et j'ai commencé par lui dire I am very happy to see you. Il a souri. I do not speak English. I like you, I love you, fuck you. J'ai que des conneries comme ça. Il a aimé ça, enfin voilà. Et puis après, il m'a dit combien de jours vous voulez tourner. J'ai dit 3-4, ça me va. Et puis il m'a dit 3-4 jours, et puis voilà. Sur des scénarios existants de films muets inachevés, voilà. Moi, ce qui m'intéressait comme, entre guillemets, acteur, je ne me considère pas comme un acteur en plus, c'était cette expérience avec cet homme, avec tous ces gens dont j'ai parlé. Cette aventure me passionnait, quoi, se retrouver là. Et puis c'était aussi une carte blanche, il ne faut pas l'oublier, à Guy Madding, ouverte au public, via Internet. Donc tous les gens passaient, on tournait dans un petit studio, et les gens, le public avait accès à tout ça. Et alors on était un peu interpellés, parce qu'on devait s'asseoir sur un banc en rond, comme ça, tous les acteurs que j'ai cités, attachés à une ficelle avec des guirlandes partout, qu'on devait s'attacher partout dans tous les sens, rentrer en transe, ce qu'il appelait le spiritisme, quoi. Et alors on était là, on en faisait des tonnes, on osait tous, on se moquait de nous tous, enfin, il y avait une vraie complicité, et lui était aux anges, quoi. Et ça a été une expérience extrêmement sympathique, chaleureuse, jeune. Face à Géraldine Chaplin, où je voyais son père tout le temps, face à ces gens-là, et son côté habité comme ça, et tous les jeunes, parce que Guy Madding s'est entouré que des jeunes de la cinéma, de la Fémis, pour le son, pour tout ça, c'était un régal, quoi. C'est du cinéma, c'est vraiment de l'art pur, de l'inventivité, du surréalisme. Et quand on a un peu de culture cinématographique que je n'ai pas, mais que j'ai découvert en voyant le film, on retrouve Buñuel, on retrouve les films muets de Vigo, de Murnau, tout ça. Donc pour les gens qui ont un amour comme ça, le cinéma, une connaissance, c'est un vrai plaisir de découvrir ce film, quoi. Chacun a sa façon de fonctionner. Ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lieu. Il y a des gens qui savent gérer très bien le système avec virtuosité, et d'autres qui ne savent pas.
Moi, je pense que la créativité, l'indépendance est un luxe énorme et qui devient très difficile. Donc il faut pouvoir se permettre déjà cette indépendance-là. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 3 films avec simplement 400 000 euros, avec 22 jours de tournage. Je suis sûr que je ne pourrais plus les refaire maintenant.